La coordination communale de l'UP de Wenri affûte ses armes pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. À travers la rencontre de ce samedi 20 mars, les groupes de campagne de 40 villages de la commune ont été installés à Dasso. Occasion de présentation des 17 membres du comité de coordination communale et d'échange d'arguments de mobilisation. Installés ce jour dans leurs fonctions, les 17 membres de campagne par village auront la lourde responsabilité de faire sortir la population pour un fort taux de participation à l'élection et pour une victoire historique du duo présidentiel Talon Talata. Chaque membre aujourd'hui outillé avec des arguments nécessaires pour aller battre campagne dans son hameau, dans son village, pour que véritablement le 11 avril prochain, nous puissions avoir donc le chaos au premier tour de ces élections pour notre duo. On a voulu effectivement faire ce rassemblement pour conscientiser, mobiliser presque tous les responsables au niveau des groupes de campagne de village sur la nécessité de voter massivement pour le duo Talon Talata. Les différentes réalisations du candidat Talon à Wenri et au-delà, véritable instrument de travail de cette structure de combat de l'Union progressiste. Pour une bonne réussite de la mission à eux confiée, de bons comportements doivent être observés pour la paix. Le premier mandat du président Patrice Talon a été un succès inégalé dans l'histoire de notre pays, le Bénin. Et c'est pour cette raison que Wenri tout entier est engagé aujourd'hui à soutenir à nouveau la candidature du président Patrice Talon. Wenri est engagé à faire 100% et un chaos, n'est-ce pas, inégalé, un chaos exceptionnel. Le message que nous avons est un message d'abord de sensibilisation ou en faveur donc de la paix et de la non-violence. Il faut légitimer effectivement le deuxième mandat du président Talon. Parce que il n'y a pas de doute qu'il a beaucoup travaillé pour nos villes et nos campagnes. Que ces élections se fassent dans la paix, dans la joie et dans la non-violence. Je voudrais leur dire également de dire suffisamment ou d'annoncer suffisamment aux populations qu'il n'y aura rien du tout qui viendrait donc nous perturber ce jour-là. De ne vraiment pas tenir compte des messages d'intoxication. La troupe UP mobilisée à Dasso donne le signal du chaos du duo Talon Talata. Elle n'attend que le 11 avril pour fêter le triomphe de son leader national.